Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, ici sur votre radio R212, voici les dernières actualités qui ont marqué la semaine. Qu'on écoutera ensemble sur ce podcast. Le gouvernement a en effet annoncé une augmentation historique du salaire minimum dans la fonction publique, le portant à 4500 dirhams. C'est une véritable bonne nouvelle qui vient de tomber pour les fonctionnaires marocains. Portée par la ministre déléguée Gita Metzour, cette mesure ambitieuse vise à stimuler le pouvoir d'achat et à soutenir l'économie nationale. Plus d'un million et 127 000 employés du secteur public bénéficieront ainsi d'une revalorisation salariale conséquente, répartie sur deux étapes. Dès juillet 2024, une première augmentation de 500 dirhams entrera en vigueur, suivie d'un second versement de 500 dirhams supplémentaires en juillet 2025. Une réduction de l'impôt sur le revenu à partir de janvier 2025 viendra également compléter ce dispositif, permettant aux travailleurs de la classe moyenne de voir leur rémunération augmenter de 1400 dirhams au total. Cette initiative reflète notre engagement envers le bien-être économique de nos citoyens, a déclaré la ministre Metzour, soulignant l'importance de cette mesure pour élever le revenu minimum dans la fonction publique. Si les réactions sont mitigées, avec des inquiétudes sur la charge financière à long terme, les représentants syndicaux se sont dit satisfaits de cette avancée historique. Une décision qui marque un tournant majeur vers plus d'équité sociale et de stabilité économique au Maroc. Reste à voir maintenant les effets concrets de cette revalorisation salariale sur le pouvoir d'achat des travailleurs et sur la dynamique économique du pays. Une chose est sûre, les Marocains peuvent désormais se réjouir d'une nouvelle ère de prospérité. Rédigé par la rédaction de l'ODJ. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.